En mer, c'est quand on a la tête sous l'eau qu'on vous bouche le tuba. Le malheur excite les passions. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah, vous les auriez vus, les créanciers étaient excités comme des hooligans. À un moment, il y en a un qui crie « Le nain !» Alors moi, j'ai bien essayé d'intervenir, mais si j'avais continué, c'est moi qu'ils auraient massacré. Attendez, quel nain ? Bah, le nain. Oh, les salauds. S'attaquer à plus petit que soi, ça, c'est dégueulasse. En plus, c'était un collector. Je sais, Lambert, je sais. Je vous ai préparé une petite verveine biologique qui a été récoltée en Corrèze par un centre d'hébergement roumain. Ça va leur remonter le moral. Ah oui. On avait pris une roumaine en stage aussi pour faire les vitres du magasin. Ah oui. Elle faisait que des cœurs, à force de faire les pare-brises au rond-point, vous savez. Trop chaud. Non, trop bon. Enfin, ça va avec l'ambiance, quoi. Ah, oh, c'est la fin. C'est fini. C'est la fin du film. Il y a écrit The End. Et le pauvre petit commerçant marche seul, tandis que la neige commence à tomber. Mais il y a Monaco. Mais il n'y a pas de Monaco. Il n'y a jamais eu de Monaco. On a fait ça pour vous épater, monsieur Novelli. On est resté sur un parking à 3 km d'ici. D'ailleurs, j'y retourne. Je vais y retrouver ma femme et ma fille, qui sont coincées dans le camping-car. Et qui peut-être à cette heure-ci sont gazés d'ailleurs. Vous saviez qu'on gaze les camping-caristes la nuit ? Non. Par les bouches d'aération. C'est pas vrai. Après, on les vole. Ou on les viole. Ou les deux même, des fois. Je vais faire un malaise vagal. C'est ce que j'ai dit à Novelli. Quand Martine va prendre ça, elle va nous faire un malaise vagal. Nous ne t'oublierons jamais. Je penserai toujours à toi, surtout en regardant Fort Boyard. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on va devenir? T'inquiète, on va rebondir. C'est pas du pipeau que j'ai joué à Novelli. C'est la flûte traversière. Il y avait Loïc. Tu dors pas, toi? Ah, j'ai tout raconté. J'ai vidé mon sac. Même les crocodiles? Ah non, attends, tu veux qu'ils me démasquent, hein? Non, ça sort pas de ma bouche, ça. Secret des falses. Il y avait Loïc, oui ou merde? Merde! Tu me vois dire à Novelli, c'est moi le voleur? Tout ça à cause des Chinois. Heureusement, il y a le droit d'asile. Hop. Impeccable, Lambert. Vous allez être impeccable. En tout cas, je sais pas comment vous remercier, monsieur Novelli. Tenez, si vous voulez, moi, je vous la creuse gratuitement, votre piscine. Ah, c'est gentil. Enfin, gratuitement, je m'entends. Hein. Vous donnez ce que vous voulez. Enfin, ou ce que vous pouvez. Oui, c'est gentil, Lambert, mais j'ai changé d'avis, finalement. Je vais pas faire de piscine. Je vais faire un hammam et un jacuzzi dans les sous-sols. Évidemment, quand on a les moyens. Mais oh, vous savez... Bien sûr, notre salle de bain vous est grande ouverte. Oui. Sauf la nuit, évidemment, à cause du bruit. Un tuyau d'arrosage vous suffira. Je ne suis pas une douche froide près. Dans ce cas, bonne nuit. Ça, bonne nuit. Bon allez, Lambert, bonsoir. Bonne nuit, monsieur Novelli, bonne nuit. Loïc, au lit. Quelle honte en être réduit à camper chez les voisins. Arrête de pleurer, Martine. Allez, remets-toi. Et alors, madame Novelli, qui me dit, si jamais vous avez besoin de quelque chose, avec son air, alors, elle m'a prêté des serviettes, elle m'a dit, elles sont neuves, elles n'ont servi qu'une fois pour le centre d'hébergement des Kurdes. Avec son air hautain, si jamais vous avez besoin d'autre chose, madame Lambert, vous n'avez qu'à lui demander. Aucune humiliation ne nous sera épargnée, Christian. Ouais, c'est ça le problème des gens de gauche. Ils ont des bons sentiments par devant et puis par derrière. Mais t'en fais pas, Martine. Hein. On va les niquer. Je sais pas encore comment, mais... J'ai un pressentiment, tu vois. Allez, respire. Profondément, vas-y. Oh, celui-là, c'est un canadair. Regarde. Oh putain, j'ai ruiné le mur. Quand tu auras fini de gesticuler, je te lirai le... Le bulletin scolaire de ta fille, si ça t'intéresse. Français 6, c'est sur 20, hein.
Aucun commentaire. Géographie 2. Le Caire n'est pas la capitale de la Corse. Mathématiques 0. Résultat stable. État de mort cérébrale. Espagnol 1. Toujours sur 20. L'espagnol de Cindy est un défi permanent à la linguistique et une injure à la péninsule ibérique. Coiffure 5. Comme faut la coiffure et la voiture piégée. Technique du pétard maîtrisée. Instruction civique 05. On frôle l'extradition. Histoire 5 sur 20. Non, Charles de Gaulle, c'est pas porte-avions. Sport 0. Seul élève ralenti dans un mouvement de masse. Général, l'échec saute une génération. Et bien là, c'est pas le cas. On dirait son père. Son père. Tu crois que c'est mieux sa mère? Ah oui, c'est sûr, sa mère. Elle a fait l'ENA, l'école nationale de l'ankylose. Elle a ankylosé des bras, des jambes, du cerveau et du cul. Christian. Attends, excuse-moi Martine, on se parle plus, on se regarde plus, et depuis quelque temps, on baise plus. Ah ! Joli. Un hombre enamorado sabe dejar su orgullo. J'ai une surprise pour vous. J'ai passé un examen, je l'ai réussi. C'est vrai? Regarde, c'est écrit là, c'est positif. Mais qu'est-ce que c'est? Ben, tu comprends pas? Tu vas pas me dire que tu es? Ben, si, maman, je suis enceinte. Oh, Dieu, quelle horreur! Notre père, quel soucieux, que votre nom soit inclus, que votre rayon. Je suppose que le père, c'est... Évidemment. Voilà ton père. Quoi? J'ai une nouvelle terrible. Et tiens. La petite est enceinte. Attends, pour confirmation, le père, c'est bien. C'est Mozart. Je dis yes, yes, 10 de der, Martine. On a gagné au loto. Mais Lambert. Quoi? Ben elle est neuve. Pardon. Ah oui, il y a une sonde de neuf. Bien, Lambert, j'y réfléchis, il y a une solution. Carré, rationnel, souhaitable et souhaité. Vous voulez dire? Absolument. Alors, conviction, monsieur Novelli, vous n'y pensez pas ou quoi? Ma femme ne le supporterait pas, vous voulez la tuer? C'est d'où les grands mots, la tuer? Attendez, monsieur, nous sommes peut-être ruinés, mais nous ne serons pas des assassins. On est en l'an 2000, Lambert. Peut-être, mais enfin, vous ne connaissez pas ma femme. Et puis, sans vouloir polémiquer, c'est plutôt votre fils qui a manqué de respect à ma fille que l'inverse. Hein. Parce qu'on batifole, n'empêche le polichinelle dans le tiroir. Chut! Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il y a une solution. Une solution honorable. Une solution qui nous permettrait de ne pas être des brebis égarées du troupeau. Allez-y, parlez. Sans compter que quand je dis abuser, je devrais dire violer. Et là, on rentre dans un cadre pénal qui entraîne des issues incertaines, voire salissantes, très salissantes, monsieur Novelli. N'importe quoi, mais qu'est-ce que je fais ici? Oui, ben, change pas de sujet. Ma fille, mon trésor, le corps de mon corps a été outragé et doit être épousé. Ben, croyez pas que ça nous amuse, hein? Parce que nous avions notre vue pour notre fille, qui est très proche du fils Ramirez, des établissements Ramirez, plomberie et électricité générale d'Argelès. Y a pas un touriste qui ne se lave, ne s'éclaire ou même ne se soulage sans les établissements Ramirez. Alors? Alors ça y est, j'ai parlé à Aurélie. T'aurais vu l'air gêné quand j'ai parlé d'argent. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a levé le petit doigt, il fait un effort? Ah, moi, je sais pas, moi, j'ai un petit peu ma famille qui a un problème, je l'aide. Eux, non. Rien. Même pour Cindy, il a pas proposé un petit coup de main pour le salon de coiffure. Cadal. Radin. Thank you.
Ça y est. Ils ont vendu la maison. Écoutez, Lambert, il faut se faire une raison. Vous ne pouvez pas non plus attendre que vous remboursiez toutes vos dettes. Vous n'êtes pas bien ici, dans mon jardin, dans votre camping-car. Si, ma femme. J'espérais un miracle. Oh, un miracle, Lambert. Allez, il faut prendre le dessus, il faut se bouger. Tiens, on va se bouger. Voilà, ça, on va faire. Allez, Lambert. Il faut caler la date du mariage. Bien sûr. C'est tout de même votre fils qui a outragé notre fille. Il n'a quand même pas été obligé de l'attacher. Certes, il faut caler l'église. Oui, alors en raison de nos convictions, nous ne souhaitons pas un mariage religieux. Eh bien, nous, en raison de nos convictions, si. Et comme nous sommes la famille victime, c'est nous qui décidons. Très bien, très bien. En tout cas, j'espère que ce sera un petit garçon. Parce que, comme me disait mon amie Jeanne à Valenciennes, elle citait souvent ce dicton, qui vont au bord porteront, pondront un petit gant. Nous, à Argelès, on en a un autre. On dit si le premier essai est transformé entre les poteaux, petit enfant entre les jambes aura un poireau. Germain, je vous sers un pastis. Ah non, un thé. Moi, je vais en prendre un. Servez-vous. Allez, Lambert, pensez aux artères. Mais j'y passe, François. Wolfgang, faudrait l'appeler Wolfgang. Ça sonne bien, Wolfgang Novelli ou Ludwig. De toute façon, avec toutes les sucreries que je mange, ce ne sera pas un garçon. Hein. Pour avoir un garçon, il faut suivre un régime salé, chips, bretzel, anchois, tout ce que je déteste. Non, puis de toute façon, moi, je veux un prénom qui décoiffe. Traviata. Et pourquoi pas Travolta? Ou Laguna Mistral? Ah ben non, ici, c'est Tramontane. Hein. Ça décoiffe. Alors là, Laguna Tramontane. Et ça le fait kiffer grave, Sarah. Ça écoute le cœur, il bat à 100 l'heure. Ça va? Ah ouais? Poum-tcha-tcha, poum-tcha-tcha, c'est une valse à 30 ans. Je ne peux plus, j'arrête. On les a semés, Lambert. François, faut que je vous avoue quelque chose. Allons voir. J'avais caché 52 000 euros dans votre jardin. Le crocodile avec les palmes, la nuit, c'était moi. Pour les récupérer. Seulement l'argent, je ne l'ai pas retrouvé, quelqu'un l'a volé. Je suis mal, très mal. J'ai plus qu'à me flinguer. Papa? Cindy? C'est moi qui ai pris l'argent. C'est pour le salon en front de mer. Mais je vais tout te rendre, hein. On l'a enterré là-bas. Allez, montre-moi où c'est. Vite, dépêche-toi. C'est là que je l'ai enterré. Le jour où on a fait la fugue. Mais y'a rien? Nom de Dieu. C'est pas vrai. Y'a plus rien. Je te jure, papa, c'est là qu'on l'a enterré, l'argent. C'est vrai. Te voici, c'est fini. Le petit commerçant s'en alla vers la mer. Tout doucement, il s'enfonça dans l'eau, se noya, sans cérémonie, sans sépulture. Mais non, regardez, Lambert, il n'est pas vide, le trou. Qu'est-ce que c'est? C'est marrant, on dirait les clés de mon ex-maison. Enfin, les clés de votre ancienne, nouvelle maison. Je l'ai rachetée. Ben, elle est donc à vous. Mais non, c'est vous qui avez les clés. Yes! Quelle belle journée, qu'il est beau, mon fils. On peut dire que votre fille a touché le gros lot. Quand on aime, on ne compte pas. €14 millions. Qu'est-ce que vous dites, Lambert? Rien, juste qu'on ne saura jamais où sont passés ces 50 000 euros. Ça restera un mystère. Un sacré mystère, oui.